Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Mkulo, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Desert Durability. Si je parle comme ça, c'est tout simplement parce que j'ai un petit peu peur. Je vous avouerai que j'ai peur de mourir dans cet épisode. Je vais tout faire pour pas mourir, mais j'ai un petit peu peur. Avant, je tenais à préciser que dorénavant, je vais tourner tous les épisodes à l'avance. Donc c'est plus la peine de mettre dans les commentaires il y avait un coffre, machin. Enfin, vous pouvez toujours le dire, parce que après, je pourrais voir en créatif éventuellement sur une autre map, hein, puisque ne l'oubliez pas, j'ai d'autres sauvegardes. Donc je pourrais voir, mais c'est pas la peine de dire ah ouais, pour le prochain épisode, va machin machin, puisque ce sera quoi qu'il arrive tourné à l'avance. En tout cas, je vous remercie. Apparemment, la série vous plaît toujours et ça me fait extrêmement plaisir. Je sais plus où on s'en est arrêté. Je crois qu'on était dans une mine. Et je ne suis pas sûr. En effet. Donc, on va enlever le shader. Voilà. Rien que pour ça, j'ai peur qu'on meure. Alors, on va enlever la minimap. Parce qu'à chaque fois, ça se remet automatiquement. Ça, c'est notre item. On peut l'enlever. Et voilà. Alors, il me semble qu'il y avait des ongles. Oui, effectivement. Bonjour. Attendez, on était où? Ah oui, c'est vrai. Maintenant, tout me revient. Tout me revient. C'était une grande mine, apparemment. Oh! Ça, c'est fait. Bonjour. Tranquille, la famille, tout ça, tout ça. Faites gaffe les gens, je suis chaud patate aujourd'hui pour cet épisode, donc chaud patate dans le sens niveau Minecraft. Parce que ma voix a l'air un peu essoufflée, mais je peux faire de très belles choses pour cet épisode. Alors. J'ai tellement pas envie de mourir maintenant, quoi. Sharpness Knockback 2. C'est juste parfait. Alors on va juste, attendez, on va juste réorganiser notre inventaire, si vous voyez ce que je veux dire. On se met à l'abri. Alors déjà, l'arc, ça va là. Les flèches, ça va là. L'épée, on va la mettre là. Le seau d'eau, c'est bon. C'est quoi ça? Instant damage, ça sert à que dalle. Donc c'est bon, on va pouvoir y aller. C'est parfait. Alors. Oh. Oh. C'est tout? Are you fucking seriously? Ça sent le piège. J'ai pas de pioche en fer. On va remonter. C'est cool parce qu'on aura tout fait finalement. Hein? Putain, c'était la musique. J'ai eu peur. On la baisse un peu quand même. Voilà, hein. Pour ceux qui disaient que je ne finissais pas les mines. Oui, je pense que vous vous le disiez dans la tête. Et je vous comprends parce que c'est vrai que je ne finis pas les mines en général. Donc, oui, on a tout vu effectivement. On va remonter. Parce que voilà. J'aimerais bien prendre l'or. L'or manoudou. Non d'accord, ça c'était nul. Ah non, on n'a pas encore tout vu. Hein. Si, on a tout vu. Par contre, j'ai laissé le lit, c'est pas très intelligent. Et voilà, il faut que je me remette dans le bain. Parce que c'est vrai que je suis plus trop habitué. Parce que je sais plus trop... Donc on est sûr qu'on a tout vu. Bon, au pire, l'or, on s'en bat les... Si vous voyez ce que je veux dire. Donc on a tout vu. Alors on m'a dit quelque chose avant que je fasse la gueule à ces personnes. Si je faisais des échanges, eh bien ça débloquait d'autres échanges qui étaient vraiment sympas. Donc on va faire ça. Par contre oui, j'ai pas de pioche en fer, donc je vais pas pouvoir. Attendez, on va aller chez nous. Enfin chez nous, façon de parler. On va prendre l'émeraude, tout ce qu'il faut, tout ça, tout ça. Et on va s'amuser à faire des échanges. Ça pourrait être sympathique. Le cheval est toujours là. J'ai dû faire. Bon, là, de toute façon, on va la prendre, celle-là. Hein. Hop. Donc, on va prendre Emerald. Ah ouais, on a encore ça, mon gars. Fire Aspect, Unbreaking. Attendez, j'ai une enclume.
Mais ça, c'était avant. Mais bordel, j'avais une enclume. Are you fucking seriously? Je l'ai laissé. Ouais, c'est trop tard, elle a des pop. Hein. Oh putain. J'avais une enclume, on aurait pu. Bon, de toute façon, ça aurait pas marché. Pas grave. Entre celle-là et celle-là, je préfère celle-là. Ouais, je préfère celle-là. Donc, de toute façon, allez, on y va. On va faire des échanges. Attendez, là, il y avait encore notre villageois. On va voir si. Je pense qu'il doit donner des trucs sympas. Allez, débloque quelque chose, s'il te plaît. Ça pourrait être cool. Voilà, putain, mais génial cette pioche. Waouh! Fortune. D'accord. Ok, il a rien débloqué. Allez. C'est bon? Ah! Une selle. Oh putain! Va te faire foutre. Voilà, va te faire foutre. Un truc qui est dommage, je sais pas ce que vous en pensez. Si j'étais le chef de Minecraft, je ferais une mise à jour là-dessus pour les prochaines versions. C'est que par exemple, quand on fait des échanges avec les villageois et quand on les tue, eh ben on gagne tout simplement ce qu'on a donné. Comme ça, c'est crédible. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, on donne 3 émeraudes. Si on le tue, il nous rend les 3 émeraudes. Ça peut être sympa. Hein. Alors, mais toi, tu vends de la merde. Allez, fais tes petites bulles. Voilà, c'est bien. D'accord. Donc toi en fait, mais en fait vous vous êtes foutu de ma gueule hein, les personnes qui m'ont dit ça. Ils vendent rien d'intéressant. Tout le monde me disait fais des échanges et tu verras ils donnent des trucs intéressants. Ouais, des trappes, ouais, super quoi. Oh c'est pas vrai. Ah ça peut être intéressant. Ça je suis d'accord. On va juste poser le lit. En haut, voilà, on va le mettre là. Bonjour mon cheval, je t'utiliserai plus tard si je ne meurs pas entre temps. De l'or. Là, on peut dire que on en a. Là, on va pouvoir avoir masse d'émeraudes. Je pense qu'on peut le dire. Vous inquiétez pas, pour cet épisode, on va peut-être bouger. Voilà. Allez. Quoi? Mais tu vas donner quelque chose d'intéressant là? Putain, c'est pas vrai. Je me suis fait arnaquer. Hein. Au pire, j'ai gagné de l'émeraude, mais bon. Bon, bah, c'est vraiment à chier. Hein? Donc, tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va se casser. Je sais pas pourquoi je range tout ça. On va se casser. Je sais pas où. Parce que ce village pue la merde. Je sais pas ce que vous en pensez. On va prendre le diamant avec nous. À la place de ça, ça ensemble les steaks. Ça ensemble les steaks. Ça aussi. Ça aussi. On prend à la place. L'or, le pain. Parce que c'est bien. Pousse d'arbre, évidemment. Et je pense que... Ouais, le briquet. Voilà. Je pense que là... Mais elle est là, l'enclume. Mais je suis emboulé, hein. Je suis sûr que vous me l'aviez dit. Ah, too expensive. Sérieux. Sérieux. On peut pas mettre ça. Et ça. Dommage. Bon, au pire, on peut le renommer. On va le renommer la Mco. Je vais mettre de la merde. Mco. Ouais. Mco Sword. Ça s'écrit comme ça, la Sword. Ouais, c'est ça. Voilà, Mco Sword. Je sais pas pourquoi j'ai donné ce nom. J'ai claqué tous mes niveaux parce que je suis un fifou. Je suis comme ça, c'est la nature. On va vite dormir. Voilà, j'ai cru que je pourrais pas. C'est pas grave. On va pouvoir partir. Je sais pas où. Apparemment, pas loin du village, il y a des petits trucs sympathiques. Donc on va voir ça. On va prendre le lit sur nous.
à la place du sable. Et la table de craft, le coffre, les fours, on s'en fout. Par contre, l'enclume, en effet, on va la prendre parce qu'après, je vais encore... Voilà, on va prendre ça à la place de la pioche en pierre. Fuck. Là, il n'y avait rien. Là, ça n'aura servi à que dalle. On peut y aller, mon petit cheval. Les pommes. Ok, aïe. Les pommes. On va prendre des pommes, effectivement. Ça peut être une bonne idée. Voilà, hop, hop. J'avais pas pensé à ça. Voilà, allez, on est parti. On va enfin pouvoir se servir de ce cheval. Oh, alerte au squelette. Alors, est-ce qu'il y a des choses intéressantes? On m'avait dit qu'il y avait des ruines. Enfin, des ruines, des... Une grotte. Dans la montagne. Donc, on va voir. Je vais remettre mon shader. Attends, j'ai envie d'éternuer. Ouais, excusez-moi. D'ailleurs, regardez, j'ai changé de shader. Il est pas magnifique celui-là. Avant, j'utilise le Shokapik 13 V3 Lite. Maintenant, j'utilise le Dr. Droids. Qui est plutôt magnifique. En revanche, il n'y a rien. Oh, un nouvel oasis. C'est ma foi fort sympathique. Attendez, il y a quelque chose là-bas. Non, il n'y a rien de particulier. Bon. Ce qui est dommage du coup, c'est que bah du coup, ça se trouve, il y avait quelque chose. Mais vu que vous pouvez plus interagir avec moi en commentaire, enfin puisque ça va servir à rien, bah du coup, voilà. Bon, en tout cas, on se casse, hein, moi qui avais dit, voilà, ça c'est ma maison, machin, non, on se casse, fuck. Allez, on y va, F5, comme ça c'est joli. Ah, dans cette montagne, peut-être qu'il y avait quelque chose, alors, on va voir. Ou pas, hein, ça se trouve, il n'y a rien. Bon, par contre, s'il te plaît, monte, merci. Mais il y a forcément quelque chose. Oh. Là, il y a un trou. D'accord. D'accord. Je savais pas que les chevaux... C'est stylé, ça. On peut... D'accord, on peut faire des traces de pas et tout. C'est stylé. Attendez, peut-être que par là-bas... Parce que là, c'est bien beau. On était dans la mine. D'ailleurs, on n'a pas pris l'or, mais on s'en fout. Peut-être là. Il y a de la clé. Il y a de la clé. À moins que c'est décoratif. Je pense que c'est décoratif, en effet. Je pense plus que c'était décoratif. Bon, tant pis. On va se balader, on va s'éloigner. Ça va être, encore une fois, un épisode balade. Voilà, tranquillement, balade. Faudrait qu'on trouve, bah, comme l'autre... une structure, une sorte de donjon avec les blazes, vous vous souvenez? Bah un truc du genre, ça pourrait être assez sympathique. Du coup, par contre, je sais pas de combien de blocs fois combien de blocs la map est. Parce que si on sort de la map, ça va pas le faire. Ah, d'accord. Bon, on risque pas de sortir. Ok, donc il y a de la bedrock. On peut faire le tour de la map. Je sais pas si ça peut servir à grand chose. La carte elle est là. Putain, j'ai eu peur. Je sais pas si ça peut servir à grand chose. Je sais pas s'il y a quelque chose au contour de la map. Ça peut être sympathique. Je sais pas. What? What? Attendez. What? What? Attendez. D'accord. Non, c'est... non, vous allez me prendre pour un taré. Là, parce qu'en fait, regardez, au coin de l'écran, bah, en fait, il y a des trucs noirs et je me suis demandé d'où ça venait. Mais ça venait du shader. J'ai eu relativement peur. Oui, non, mais là, je pense qu'il n'y a rien. Hein. Enfin, personnellement, si j'aurais fait une map comme ça, j'aurais rien mis ici. Et sous les cactus, on va voir, sous les cactus, il n'y a rien. Hein. Enfin, en tout cas, de toute la série, j'ai toujours rien trouvé. Oh! Attendez. Une montagne. Peut-être qu'on y était déjà, mais...
Je vais voir ce qu'il y a. Oh! Attends, on va prendre un peu plus de hauteur. Alors là, si on me dit qu'il n'y a rien. Ah bah on va pouvoir y aller, ça c'est cool. Dada, oui, bon d'accord. Je suis un petit peu trop dans l'aventure. Allez, on est parti. J'ai pas de slime ball ni de ficelle, je peux pas accrocher le cheval. Ouais, bon, j'ai des blocs. Parce que j'ai pas envie que mon cheval se casse. Ce serait vraiment con. Putain, les ombres sont juste stylées. Si je peux vous conseiller un shader pack, si vous avez un PC pas très puissant, utilisez celui-ci, celui que j'ai. Parce que moi, j'ai pas non plus un ordi. J'ai pas une bête de course non plus. Et franchement, ça convient parfaitement. C'est beau et ça bug pas trop. Bah, je tourne à 30 FPS et franchement, quand on a l'habitude, au bout d'un moment. Allez, va dans ce petit trou. Non! Tu vas dans ce trou et puis c'est tout. Pauvre bête. Voilà. Là, normalement, tu pourras pas sortir. Oui, je séquestre les chevaux pour faire du bon Findus. Je plaisante. On va arrêter ce genre de blague. Après, il va y avoir des. Je vais avoir des problèmes sur ma chaîne. Bonjour. Y a rien. C'est une blague? Ah non, ne me dites pas que les trous, c'est juste. Oh mais non. Mais c'est pas vrai. Mais mon gars, mais moi je pensais qu'il y avait quelque chose, quoi. Je suis sûr tous les trous qu'il y a, c'est. C'est de la merde. Mais non, mais putain. Là, je rage, hein. Mais putain, mais y a rien. Sérieux. You mad, bro? Y a rien. Un truc de dingue. What? Mais y a quelque chose au sommet, alors. Y a rien d'autre? Attendez, on va aller au sommet. Et s'il y a rien, je rage quitte. Non, je plaisante. Oh! Oh. Ouais, bah y a rien. Ah, peut-être que là, avec un peu de chance. Ah! Ah, bah voilà! On a enfin trouvé quelque chose, bordel! Là, d'un seul coup, ça me plaît un peu moins. Oh 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 oh. Oh 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 oh. On va éviter toutes sortes de violences. Viens. D'accord. Alors. J'aime beaucoup l'idée. Ok, c'est de la merde. Wow! Ok, ah, c'est génial ici. Je suis ravi. Il y a pas mal de coffres, à mon avis, ils sont piégés, on va vérifier. On va prendre ça, hop, on va la mettre sur la tête. Et à la place, 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 à la place! Oui, bon, fuck, c'est pas drôle. Alors, on va faire gaffe. C'est le truc à faire. Je suis sûr, il y a peut-être des commandes blocs et tout, hein. Oh, oh, oh. Projectile protection, non. Sweetness, on prend. Au pire, le pain, on s'en fout. Le bouquin, on s'en fout, hein, parce que de toute façon. Régène, on prend. À moins que j'en ai. Non, j'en ai pas encore, donc c'est bien. L'or, on prend aussi. Alors là. Mais c'est des coffres. Mange ça dans ta gueule. Hein? T'as cru que j'allais me faire avoir? Connard, va. Non, mais je dis ça humoristiquement, évidemment. Et là, je te parie qu'il y en a aussi. Bah oui. Évidemment. Bon, bah c'était sympa cette zone. N'empêche, j'aurais pu mourir bêtement, hein. C'est clair que là. Mais ça va, je m'en sors plutôt pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Y a pas de problème. Il est quelle heure? Ok. Je vais pouvoir tourner toute l'après-midi sa série, jusqu'à quand je meurs, donc ça c'est cool.
Donc, en effet, il y avait des petits trucs, ça se trouve, il y en a d'autres. Genre là. Eh, ça c'est un passage, hein. C'est obligé qu'il y ait quelque chose. Eh, vous avez vu comment c'est fait quand même? Un double escalier comme ça, il y a bien quelque chose, bordel. À croire que non, mais attendez, oula. What? Attendez. Y a pas quelque chose là? Ouais, là je suis un petit peu déçu. J'ai mon lit, j'ai cru que je l'avais pas pris. On va pouvoir, pardon, dormir. On va même dormir dans l'enclos de notre cheval. Non, on va dormir là, écoutez. En tout cas, je suis assez content de cette expédition. Hein. Je suis assez content de ne pas me... Enfin, je suis content de d'être pas mort. Alors, tu peux sortir. Petit poney. Tu es tout petit et tout gris, petit poney. Et on va aller par là-bas parce qu'il y avait quelque chose, il y avait un trou. Il y avait un trou. Et je sais pas ce que c'est. Et je me souviens avoir vu des trous qu'on n'est pas encore allé. Il n'y a pas de problème, on ira si je meurs pas entre-temps. Ça se trouve, c'est le trou là qu'on a vu. On va voir. On va voir dans 2 secondes. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce... Oh, que ce trou. Waouh. Waouh. Amazing! Comme dirait Norman. What? Attends, recule. Oh my god. Je crois que là, on va mourir, là. Si on explore tout bien, on va mourir. Ça, c'est clair. Alors, mon cheval, j'ai pas envie de te perdre, hein, même si je vais mourir. Donc, je vais t'abandonner là, en espérant que tu trouves un nouveau maître. Voilà. Donc, tu vas dedans. Tu vas dans ce petit trou. Hop. Je t'ai dit, va dans ce trou, je t'ai dit, voilà. Oui, je sais que t'es pas content. Je sais que je t'ai mis vénère, mais c'est pas grave. Allez, hop. Là, tu m'as l'air bien enfermé. J'use ma terre, c'est pas grave. Je vais te mettre une petite torche, comme ça tu te sentiras moins seul. Voilà. Et on va pouvoir y aller, du coup. On va juste... Voilà, on va échanger ça. Parce que je sens que je vais en avoir besoin. J'enlève mon shader. Et j'aime pas du tout ça. Déjà qu'on n'avait même pas exploré la zone du temple de je ne sais plus quoi, si vous vous souvenez bien. Allez, on est parti. Allez. J'ai extrêmement peur. Pas spécialement de mourir, mais de ce qu'on va voir. J'ai plus peur de ça que... Attendez, on va d'abord aller par là-bas. C'est le premier truc qui... On va faire gaffe là quand même. Bonjour. Oh putain, mais vive le knockback quoi. Oh là là. Ah là là. Attends, attends. Wow. Mais nique ta... Faut les bloquer. Ah, c'est le premier truc à faire, faut les bloquer. J'ai du charbon. Oh, oh, j'ai de la chance. Parce que là, je suis juste en manque de torches, mais wow, what? Mais what? Mais attendez, mais les gens, mais vous venez d'où? Ils sont pas hostiles ou j'ai rêvé là? Il se passe quoi là? Ils sont AFK? Ils sont allés pisser ou quoi? Ah non. Voilà, là vous pouvez plus rien me faire. Eh, hey, quand même le knockback est super utile parfois. Il n'y a pas à chier. Voilà, là-haut, vous pouvez rien me faire. On va quand même prendre nos fucking précautions. Juste du bois, mais bon, on n'a pas trop le choix, hein. Laissez-moi tranquille. Oula. Oh là là. Oh là là, mais c'est qu'il y a du monde. Eh, attendez.
Il y en aura pour tout le monde, ne vous inquiétez pas, soyez pas jaloux, M'Kolo va vous buter. Ou pas. Attendez, on est en hardcore là, hein. Laissez-moi... Attendez, attends. Que tout le monde reste calme. Désolé si vous entendez ma souris. Ça fait depuis longtemps que je dis que je vais avoir une nouvelle souris, mais je l'ai toujours pas. Parce que je l'ai toujours pas achetée. Voilà, juste pour vous dire. Voilà, en mode fuck la police. Vous pouvez plus rien faire. Voilà. C'est de la merde, y'a rien. Ok, si c'est tout le temps pareil partout, ça va pas le faire. En revanche, je suis pas contre des blocs. Donc on va tout de suite en prendre suffisamment. En plus, il y a Unbreaking dessus, je crois. Ouais, Unbreaking 2, c'est bien. Donc, on va prendre quand même masse de cobble, si ça ne vous dérange pas, les gens. Je sais pas combien de temps ça filme, je pense qu'on va s'en arrêter là. Moi, je tourne à la suite, hein, donc il n'y a pas de problème. Je vais pas sur le menu, hein, ça va juste casser les couilles à force. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode. S'il vous aura plu, n'hésitez pas à le liker. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Et je vous dis ciao tout le monde. Et bien salut tout le monde, c'est M'Kolo, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Desert Durability. Pourquoi je rigole? Parce que comme je tourne à la suite, et ben ça me fait trop rire de dire au revoir et bonjour. Ah merde, je peux plus récupérer. Donc voilà. Donc c'est normal, si je rigole, il n'y a pas de problème. Le redstone, on s'en fout. Voilà, récupérer. Tout ça c'est le plus important. Ouais, donc là j'étais en train de récupérer des blocs. Et c'est bon. Allez, on va pouvoir continuer l'exploration. Mon cheval doit se faire chier là-haut, c'est pas grave. Au pire, c'est pas le mien. Alors, déjà je suis intrigué par ça. Et je pense que c'est le premier truc qu'on va aller voir. Non, d'abord on va aller dans les zones comme ça parce que... Je sais pas. Attendez. On avisera. On va regarder ce qui nous attend. Et puis voilà. J'essaie de prendre mes précautions. J'y vais un petit peu à l'arrache également. Et mais là, je vais mourir. Je suis sûr, il y a des plaques de pression ou quoi. Mais c'est quoi cette zone de merde? Voilà, heureusement que j'ai pris des blocs. What? Ah, c'est une araignée. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez pas qui je suis? Oui, j'ai tué une chauve-souris, RIP. Alors. Wow! Merci Matmos pour ces bruits d'ambiance dégueulasses. Ça a l'air sympa, hein. À première vue. J'ai que 2 diamants. J'en avais pas plus une fois. Non, je sais pas. Non, je confonds avec Bill Conway Craft, excusez-moi. C'est pas grave. Tu peux rien me faire, le creeper, là. Hein? On dit plus rien, hein? On se sent faible d'un seul coup. Face à M'Kolo. Oh, oh putain, mais là, je suis mort, hein? Cet épisode va être le dernier, hein? Wow! Allez, vous faire ce que je pense. Oh là, c'est bien, là, c'est un bon spot pour les... C'est un bon spot pour se faire violer aussi. Bon, on va faire gaffe. Oui, bon. On va aller loin, moi, je vous dis. La seule façon d'y arriver, c'est d'y aller en kamikaze. Mais quand tu joues en hardcore, c'est pas non plus... super. Alors, je vais aussi boucher cet accès. Ok. Parce que ce serait vraiment trop bête.
Bon, ça y est, il y a les bulles d'XP qui me cassent déjà les boules. Alors, attendez. Pourquoi je me casse la tête? J'avais oublié que je pouvais y aller de côté. Je vais juste faire un truc parce que j'ai pas du tout confiance. Voilà, là ils pourront pas venir. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Parce que depuis que je vous vois, ça va pas très bien. Oh. Ils savent de mieux en mieux viser, les archers, quand même. Je veux pas dire, ils s'améliorent de plus en plus. Par contre, c'est un petit peu chiant le délire du knockback parce que du coup. D'accord. J'ai rien compris. Bon, au moins ça les a défoncés. Par contre, là, j'aurais dû en profiter pour. Ah! Pour me casser. Mais c'est pas grave. Bonjour. On va éviter ça tout de suite. D'accord. Voilà, on va leur faire un petit piège. Putain, mais ils sont là. Voilà. Hop, hop, hop. J'ai pas de lave sur moi, ça c'est con. Vous allez très vite comprendre ce que je fais. Je pense que vous avez d'ailleurs déjà compris. Une petite torche là. On remonte par là. Voilà, petite technique pour... Non, je n'étais pas obligé de casser ça. Ensuite, on va là. Hop, hop. Merde. Je trouve un moyen. Voilà. Là, c'est parfait. Et là, du coup... Bah, du coup, vous pouvez venir, les gens. Hein. Venez. Pas cher. Bah, venez. Qu'est-ce que vous attendez? Lol. Bon, on y va ou... Mais attendez, mais je suis perdu, on est où? Attendez, il faut encore... Allez, voilà. Là, je pense que... Ah, là, il y a moyen d'éclairer... Ouais, voilà, c'est ça qu'il faut faire. En fait, il faut contourner le terrain, histoire de d'éclairer. Je pense que vous m'aurez compris. Merde, fail. C'est pas grave. D'accord. Konosvo. Qu'est-ce qu'il y a, problème? Wow. Mais ça va, mais mec, mais... Ok, là, je pense qu'on est bien. Attendez, je prends mon temps, je reste calme. Parce que c'est pas bien de s'énerver. Avec le knockback, il a 2 heures à revenir. Voilà. Quitte à user la pioche. Du coup, on va se refaire des torches. J'ai plus de bois, tant pis. J'ai tout claqué. Viens là, là. Surprise, motherfucker.
J'aime beaucoup le knockback, c'est assez, c'est sympa et pas sympa à la fois. Oh là là là. Là, de toute façon, ah, oh, mais je sais ce qu'on va faire, les gens. Oh. Je sais ce qu'on va faire. Merde, ça continue. Vous allez peut-être me demander pourquoi j'ai fait ça. Vous allez très vite comprendre. Ou pas, ça a pas du tout marché, putain. J'ai fait n'importe quoi. Attendez les gens. C'est l'épisode le plus passionnant de la Terre. Bon, toi, tu vois pas que tu gênes. Connard. Oui, je suis violent. Bon, on va enlever l'eau. On va mettre une torche à la place. Ouh. Tu sais pas viser. Bon, par contre, calmez-vous là. Oh, oh, oh. Attendez, attendez, attendez. Mais c'est la folie. Mais attendez, mais... Allez, c'est parti. Les gens, je crois que ça va être très rapidement fini. D'accord, les creepers qui explosent. Putain, ça spawn encore. Combat sniper. Tu peux pas test. Là, l'idée, c'est tous les éliminer. Merde. On va y arriver, les gens. Y a pas de raison, hein. J'ai fait le fou. Et voilà. Oh, oh putain, c'est pas fini. Ok. Alors là-haut, il y a un pont. C'est pas du tout fini. Hein. Ça me plaît pas du tout. Genre... pas test. Surprise, motherfucker. Le zombie, c'est le monstre qui me fait le moins flipper. J'étais très très calme, hein. Règle numéro 1, garder son calme. Oh oui, génie. Ça y est, on y est, on y est, on y est. On a peut-être bientôt fini, hein, qui sait. Ou pas. Ou pas. Oh là là. Je sais pas ce que vous en avez pensé, j'ai quand même pris pas grosse prise de risque, hein.
Mais je sais pas ce que vous en avez pensé, j'ai quand même géré. J'ai pris énormément de temps dans ce niveau. J'ai bien peur d'en prendre également beaucoup dans le niveau là. Je me demande même si je vais pas le faire. Ce niveau a l'air pas non plus, enfin, pas super compliqué, mais il est super grand, donc ça rend la chose assez compliquée. On va pas le faire, les gens. Je pense que vous me comprenez. De toute façon, ben, je veux dire, une mine de plus, une mine de moins, ça change rien, parce qu'il y a quand même pas mal de mines encore que j'ai pas fini d'explorer, que j'ai abandonné. Là, on va faire pareil, on va pas en faire tout un fromage. De toute façon, c'est pas comme si c'était une map CTM où on devait chercher des laines. Là, voilà, il y a peut-être des coffres avec des trucs super cheatés. Mais on est déjà bien badass. On a perdu nos bottes, mais ça, c'est encore autre chose. Toi, t'as cru que t'allais m'avoir, toi. D'accord, je crois qu'il fait nuit. Non, il fait pas nuit. Il devait très certainement faire nuit. Il faisait peut-être nuit, en effet. En revanche, j'ai vu un zombie brûler. Oui, bah oui, vu qu'il fait, il fait jour. Où est le soleil? Je ne sais pas. Ouais, en effet, il faisait nuit il y a quelques minutes. Le soleil se relève. Alors. Ok, c'est de la merde ici. Okay, en fait, il y a juste ça. Il y a pas de coffre et tout, donc ça vaut pas le coup d'aller dans ces petits donjons. Ah, allez, peut-être pour avoir un petit peu d'XP, mais. Voilà, on peut vite fait encore y aller, checker. Ça se trouve, il y a peut-être des coffres. Oh, une slime! Sur le petit creeper là-bas. Nos prises de risque. Surprise, motherfucker. On prend les flèches toujours. Alors. Nos prises de risque. C'est que des slimes, mais. Ça fait quand même parfois mal. Et je sais de quoi je parle. Merci, Diversity. Alors. Alors. Après, ça peut être avantageux parce qu'il y a des minerais partout. Mais bon, la redstone, moi, je m'en fous personnellement. L'or aussi. Là-haut. Là-haut, ça doit être le même bordel. Ouais, tout à fait, tout à fait. Là, c'est encore autre chose, c'est du lapis. Bon, why not? J'ai plus de bois, c'est super, j'ai plus de bois. Bon, j'ai une pousse, j'ai des os. Pas de problème, mais en effet. Bon, écoutez, on va remettre le shader. Je sais pas si le cheval est encore là. Je sais plus de quel côté il était. En tout cas, bah, on va pas s'éterniser là-dessus, pardon. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'encore une fois, même la mine du début, je l'ai pas finie. Donc à quoi ça sert de faire d'autres mines si on les finit pas? Pourquoi je l'ai fait? Parce qu'il y a toujours des petites choses intéressantes et faciles à avoir. Et puis de toute façon, le but de Desert Durability, c'est de survivre longtemps, mais aussi d'explorer les mines. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Je peux mettre comme ça entre deux murs à AFK et puis voilà, survivre autant de temps que je veux. Y a quoi là? Y a quelque chose! J'avais pas vu. Bon, le cheval, il peut attendre. Hein. Il y a quelque chose qui m'a l'air vraiment, vraiment sympathique. Voilà, genre là, je vais le commencer. Peut-être pas que je vais le terminer. Oh là là. Je déteste ce genre de choses. J'aime pas trop l'idée. Mais alors pas du tout. là c'est un petit peu casse-cul leur truc. Du coup on va y aller comme ça, écoutez, y a pas de problème. Hein. On se fait pas chier. Nos prises de risque. Comme je l'ai dit. Bonjour.
Ah, ça va, j'ai cru qu'ils avaient des épées en fer. Je me suis dit. Ah, mais ils ont des épées en fer. Ouais, mais ils sont pas aussi puissantes que la mienne. On va juste détruire ce spawner. C'est vraiment le truc à faire. Il y a aussi des spawners d'araignées, je crois. Mais ouais, j'aime pas trop l'idée. Autant vous le dire d'avance. C'est pas du tout mon délire. En plus, ces bouffons, ils seraient capables de me toucher de là. Putain, j'arrive pas à détruire leur spawner vu qu'ils sont devant. Et voilà. Par contre, ça, j'aime moins. Hop, hop, hop. Ah, ça fait mal, hein. Par contre, là, ouais, effectivement, c'est un petit peu galère parce qu'il y a des spawners à gauche, à droite. Enfin, bon. Oh, mais c'est juste impossible. Bah, de toute façon, je saute, je suis mort. Hein. Y a pas à chier, c'est comme ça, c'est la vie. Je vous propose de faire un truc avant. C'est tout simplement déjà qu'on s'en arrête là pour cet épisode. Je sais pas combien de temps ça filme, encore une fois, je le fais un petit peu à l'arrache. Donc, merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, encore une fois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et on se retrouve. J'ai plus de terre, putain. Il faut de la terre, là. Oh, j'ai de la chance. Ouais, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao tout le monde. Salut tout le monde, c'est Mkolo, comment allez-vous? Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Desert Durability. J'espère que vous allez bien. Moi, ça n'a pas changé, encore une fois. Je tourne à la suite de cet épisode. Voilà. Donc là... J'étais même pas obligé de casser la terre, je suis un petit peu débile de l'avoir fait d'ailleurs. Parce que je vais tout simplement planter des arbres. Parce que c'est plus possible. Il nous faut du bois. Voilà, on va pas tout user. Hop. Voilà. J'ai pas de hache, c'est pas grave. Fuck la pousse. Ouais, on va prendre... suffisamment de bois pour se refaire des torches étant donné qu'on a encore un peu beaucoup de charbon. Ouais, 12 charbon, ouais, ça devrait le faire. De toute façon, c'est pas compliqué, hein. On fait 12 fois 4 et ça fait le nombre de torches qu'on a. Pardon, j'ai le hoquet, j'ai fait une voix un peu bizarre. Allez. J'ai le hoquet, je suis désolé, hein. Juste avant je l'avais pas, mais maintenant je l'ai. Bon, le moment chiant de la vidéo, couper du bois avec un lit, ça donne ça. Par contre, là, j'ai peur que les arbres vont pas pousser à cause de ces feuilles de merde. Je sais pas si le cheval est encore là, hein. Peut-être qu'il est décédé. Ou peut-être pas. Je sais pas, faut voir. Faut voir, faut voir. On va user les 27 bonnes mille. Oh! D'un coup. Oula, oula, ma souris, elle a fait non. Mine de rien, malgré les mines qu'on n'a pas tout vu, on aura quand même pas mal exploré la map. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que, en effet, on a quand même fait à peu près le tour de la du désert. Donc c'est assez... assez sympathique. Allez, le dernier arbre. Là, ça va nous faire assez de bois, je pense. Voilà. Allô. Alors, hop, hop, d'accord. Dégage. Voilà. On va pouvoir, hop. Voilà. Boum, 50, c'est parfait. On récupère le plus important, ça. Ça, on s'en fout, ça, on s'en fout, ça, on s'en fout, ça, on s'en... Ok, on va pas y arriver. Attends.
On s'en fout de ça, on s'en fout de ça, d'accord? Voilà. Pomme. On prend. Les pousses aussi, évidemment, et la terre aussi. J'allais me casser comme ça en mode youhou. Donc on prend ça et on pourra se tailler. Voilà. On va pouvoir se tailler. On va aller donc de nouveau là où on était. Je sais pas non plus si c'est une bonne idée. Ça se trouve j'ai pris du bois pour rien parce que je vais peut-être crever durant cet épisode. En tout cas je l'espère pas. Priez pour moi. Même si vous êtes pas croyant. On s'en fout. Moi je suis pas croyant non plus. Alors. Ils ont dû dépop. Je suis un taré. Je suis un taré. C'est un labyrinthe en plus. Et je suis parti sans réfléchir, j'ai sauté, je... Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça, hein. Moi je suis un fou. Si je meurs aujourd'hui, je dois mourir loyalement. Et puis c'est tout. Ok, d'accord. En gros, d'accord. Laisse-moi manger ma patate. Que faire en combat? Manger une patate, c'est très bon pour la santé. Eh, si c'est toi qui me tue, eh, je te jure. Eh, si c'est un zombie qui me tue, je sais pas ce que je fais. Mais je ferai quelque chose d'assez particulier. Mais putain, alors, non, mais... Il y a un spawner, c'est pas possible. C'est un gros labyrinthe, mais j'adore ça. J'ai plus d'épée. Les bébés zombies, hein. Oh putain, quoi. Heureusement que j'ai toujours cette épée là. Et cette épée là, évidemment. J'ai eu extrêmement peur parce que je voilà, il y a de quoi avoir peur. What? Pourquoi le creeper il fail? Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi le creeper s'est cassé? Le creeper il a eu peur. Allez, on y va, on est des fifous. Oh putain. Oh yo 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 yo, j'ai peur ma maman. Hé, tu peux rien faire, tu peux rien faire. Là j'ai eu peur ma maman. Ok. Je trouve plus les mots. J'ai eu extrêmement. Il y a plus de charbon, putain. Je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la même merde. C'est plus qu'un labyrinthe, c'est... Moi je pensais que c'était petit. Oh putain. J'ai eu peur. On peut pas dire le contraire. J'ai eu très peur. Et c'est pas fini. Bon, éventuellement. Voilà. Par contre, lui, il va pas faire long feu. D'accord, il a eu peur, carrément. Il s'est dit, non, je ne veux pas mourir. Viens. J'ai plus de torche. Ah, mais t'es méchant, toi. J'entends un Enderman, je n'aime pas ça du tout. Et j'ai une potion de régène qui dure 22 secondes. Comme ça, si je me fais trop violer... j'y vais dans le noir total, je suis désolé. Oh putain, mais pourquoi y aller comme ça, quoi? Ok, y a rien d'intéressant. On retourne sur nos pas. Oh putain. Au secours, non, non, non.
Non. Non, 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 non. Vite, 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 casse ce spawner de... Chaud patate. Allez. La potion de régène m'a vraiment sauvé la vie. Je sais pas où je vais, il fait nuit. À mon avis, il y a rien. Hein. À mon avis, il y a que de la merde. Moi, je dis on ressort. Si je trouve la sortie... c'est par là, c'est à gauche. Voilà. C'est par là, la sortie. Là, on a tout safe. Je crois. Ah non, là-bas, il y a encore... des zones sombres. Oups. Je crois que j'ai fait une connerie. J'ai plus ma régène. Il n'y a que de la merde, hein, il n'y a rien. Je pense qu'on est bien d'accord. Voilà, on dort tranquille. On aurait pu mourir. On aurait pu. Mais M-Colo est le meilleur. Non, je plaisante. Mais voilà, j'ai eu chaud aux fesses. J'ai eu extrêmement chaud. Je vous propose qu'on jette toute la merde qu'on a. Alors, on s'en fout de ça. Ça. Attendez. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Ça sert à rien. On va les claquer. Je pense que ça sert à rien. On va les claquer quand on sera sorti. Et la sortie. Et voilà, la sortie est juste là. Bon, bah au final, on aura quand même assuré. Même si c'était un petit peu l'erga. On va remettre le shader. Et puis on va, voilà. Oh, c'est beau. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? Désolé, je suis un petit peu malade. Ok, l'ombre elle est un petit... En gros on est une vulgaire crotte. Le cheval est toujours là. Ça c'est cool. Très bonne nouvelle. On va pouvoir y aller. Ou je ne sais pas. Là-bas c'est où? C'est le village. Là-bas coffre H. Ouais, avec le donjon, ouais. Là-bas mine à voir, oasis. On peut aller dans la mine, mais bon, franchement... coffre H. On va aller à la mine, en fait. En effet. On peut pas donner une potion de speed au cheval pour qu'il aille un peu plus vite. On va aller là-bas, mine à voir. Ça me semble être une très très bonne idée. Bah du coup, là, on revient sur nos pas. On revient à l'oasis. On va y aller parce qu'il y a nos patates, d'ailleurs. Il y a nos patates. Et ils ont sans doute bien poussé. Ou peut-être pas. On va voir. Oh là là, que les bons souvenirs passés ici. Ah, notre ancienne maison. Qui nous a servi à que dalle. What, les patates n'ont pas poussé. Bon, c'est pas grave, on va les faire pousser manuellement. Hop. Voilà, on va les faire pousser. Avec des engrais chimiques, vous voyez. C'est pas bien à ne pas reproduire chez soi. Bon, on va arrêter de dire des conneries. Et on va récupérer toutes ces patates. Ça fait quand même du bien. On en a, on en a, on en a, on en a 54. Ça passe vite. Ça passe vite, ça passe vite. Ça va, tu t'amuses bien? On va se faire un four. Bien sûr, je n'ai pas assez de cobble pour ça, évidemment. On va juste vite. Bah, attendez, mais j'ai de la cobble juste là, boulet. On va prendre un tout petit peu de cobble, comme ça, ça nous permettra de raser la maison. On va pas raser toute la maison, mais... voilà, histoire d'avoir un petit peu de cobble. Et voilà, on peut... voilà. Sauf que, comme je n'ai pas de charbon, eh ben c'est rigolo. Voilà, ça va être très très drôle. Alors, on va diviser en plusieurs tout ça. Hop. Hop.
Et hop, oui, bien sûr. Hop, voilà. 14, 13, 27. D'accord, c'est pas du tout équitable. Allez, chauffe-moi tout ça. En attendant, nous, eh bien, on va faire la fête. Non, on va aller dans la mine à voir. Y avait pas quelque chose par hasard? Non, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Le shader est juste magnifique. Bon, on peut faire du chair coil. C'est ce qu'on va faire. On va faire du chair coil. Comme ça, on aura. Enfin, on pourra se refaire des torches. Voilà, Mkolo a de bonnes idées. Mkolo parle à la troisième personne. Alors, hop, on va prendre un tout petit peu de bois. Ouais, ça suffira pas tout ça. Attendez. Ouais, fais-moi chauffer tout ça. La TNT. Ah oui, on a dit qu'on ferait exploser le village. Bah écoutez, on va le faire avant de mourir. Ou pas. Parce que le village est beaucoup trop loin. Ouais, je suis désolé, hein, moi je voulais faire exploser le village à la TNT. Écoutez, on va faire exploser cet endroit à la TNT. En plus, ça tombe bien, on a des briquets. Voilà, on va tout faire exploser. On va faire exploser. Pas près de l'eau, parce que sinon, enfin, voilà. Ça se trouve, on va peut-être tomber sur une mine en explosant tout ça. Qui sait? Merde, 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 merde. Bolos. En revanche, mon cheval, hein. On va aller un petit peu plus loin. Parce que les chevaux, c'est con. Enfin, celui que j'ai adopté m'a l'air con. Allez, RIP les poulpes. What? D'accord. C'est venu jusque-là, quoi. Ok, c'était magnifique. Et on n'a pas trouvé de mine. D'ailleurs, il y a des poulpes qui sont morts. C'est triste, la vie. Oh, la vie est si injuste. Du charbon! En fait, j'ai fait exprès de faire exploser parce que je savais qu'il y aurait du charbon, oui. Ça, c'est cool. Et en plus, vu que j'ai une fortune, eh ben, c'est nickel. Il y a du charbon là-bas encore. Encore et encore. Il n'y a pas d'autre charbon. Il y a du fer. Et vu que ça dédouble le fer, c'est juste nickel. En revanche. Je vois rien. C'est juste pour avoir de la lumière. Voilà. Voilà, c'est bon. Hop. La flamme qui va rester là toute sa vie. Le cheval. Où il est? Il est là, il est là, il est là. J'ai eu peur. Hop, on remonte. On va voir où ça en est. Et on va pouvoir aller à la mine. Merci pour ce chair coil. Merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça. Fais-moi chauffer ça tant qu'on y est. Attendez. Voilà. Et on va se refaire des torches avec le chair coil. Au pire, on a du charbon en rab. Ouais, là on est de nouveau bon niveau mince niveau bouffe. Par contre toi tu vas pas aller n'importe où, voilà, tu vas revenir sur tes pas. D'accord, toi pas savoir marcher droit. Voilà, on va laisser les fours ici au pire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec du fer? Ben on pourrait se renouveler l'armure parce que là. C'est pas que. Voilà, mais voilà. Hop. Les bottines, c'est important. Voilà, on va se faire les bottines. Non. Tant pis, les bottines, on va plus se faire un casque. Ah bah, je peux pas. Bon, bah, les bottines alors. Hop, hop, oui. Hop. What? Pourquoi j'ai deux jambières? Putain, l'arnaque, j'aurais pu me faire. Non, je suis deg. Ah non, c'est bon. Non, j'ai rien dit. J'ai eu peur. Ok, bah c'est bon. Alors, merci, merci. On récupère tout ce qu'on a. Voilà, allez, on y va. Puis le cheval, on le laisse là. Hop. On est parti pour aller à la mine à voir. Il me semble que c'est le gros trou immense là qui part dans tous les sens. Et qui m'a légèrement fait flipper.
Donc du coup, je suis pas trop pour. Ouais, c'est ça. Oh putain, non, mais j'aime pas cet endroit, quoi. Oh, je n'aime pas. Bon, il y a du charbon, mais j'aime pas du tout cet endroit. Je le sens pas du tout. Au pire, elle a encore cette zone. Merde. Cette zone, ça va encore. D'accord, le squelette qui comprend rien à sa vie. Là, voilà. Là, ça va. Ici, là. Là où j'éclaire, ça va. Il n'y a rien. Et il y a du charbon, d'ailleurs. Que je vais prendre. Mais, voilà. Mais là-bas, je le sens un petit peu moins. C'est tellement bien d'avoir une pioche fortune. Comment on fait pour en avoir d'ailleurs? Enfin, c'est. Il faut combien de niveaux? Enfin, on a combien de chances d'en avoir? N'hésitez pas à me répondre en commentaire si vous savez, parce que c'est vrai que ça m'intéresse forcément dans d'autres séries d'avoir, et même quand je joue tout seul, d'avoir une pioche fortune. Fortune 1 ou fortune 2. Ça pourrait être intéressant, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je lirai tout ça, y a pas de problème. Waouh! Des creepers chargés. Oh non! Quand je vous dis que je sens pas une zone, c'est pas une blague! Par contre, le sable est clairement utile. Fail. Bye bye! Tu veux de l'eau? Eh ben non, t'en auras pas. Bon, tu veux bien. Voilà. Non, mais alors là, je sens pas du tout cette zone. Moi, je dis, on va mourir là. Moi, je dis, on va être comme Mac. Mac le mort, on va mourir. Non, ça c'était nul. Vous aurez peut-être pas compris la blague, c'est pas grave. Bonjour, d'accord, les zombies qui nous captent de super loin, c'est super dans ce genre de situation. Ah! Et en plus c'est pas des creepers chargés, donc ça va encore. Ouais, non mais là je faisais une petite expédition, hein, donc s'il y avait moyen de... Cours, Forest, cours! Voilà, vous pouvez pas venir. Putain. Voilà. Il fait nuit, c'est super. On peut pas dormir d'ailleurs. Vu qu'il y a des monstres un petit peu partout. Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre, là, ouais. À mon avis, ça va être très amusant de jouer dans cette zone. Oh, pire fuck. Attends, je sais plus ce que j'ai sur l'épée. Non, il y a pas de knockback. Je pensais qu'il y avait une knockback. Je sais pas, j'avais un petit peu l'impression. Et voilà, tu fais pas long feu. C'est pas très bien éclairé. D'accord, le creeper qui m'a déjà oublié. Bonjour l'Enderman. Oh, ça va cette zone en fait. Hein. Enfin, la zone là maintenant. Ça se trouve, après ça continue, ça va être l'enfer. Là pour le moment je gère, j'assure. Je sais pas ce que vous en pensez, je m'auto-complimente pas du tout hein, pour ceux qui y croiraient. C'est mon avis. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de coffre, d'accord. C'est un truc à con. Bon, l'Enderman il est pas très méchant. Donc on va le laisser en vie. C'est tout ce qu'il y a? Ouais! On a fini notre première zone du jeu, je crois. Non, il y avait déjà d'autres mines que j'avais fini. Ah trop bien. On a fait, bah on a fini la mine, c'est cool. Moi j'aurais fini quelque chose, y a rien. Ça c'est un petit peu dégueulasse. On va prendre le fer. C'est un petit peu dégueulasse. Je pensais qu'il y aurait quand même plus de. Ouais, bon fuck le charbon. On va se faire l'Enderman. Par contre avec l'épée en diamant. Parfait. Je risque ma vie. Ok, il y a plein de chauves-souris, j'ai eu peur. Là, je me suis dit non. À la place de ce champignon, voilà.
On a une enderperle qu'on ne va pas claquer parce que je sais pas pourquoi je vais mourir comme une merde en la claquant. Mais on la garde en cas de situation extrême et je pense qu'on peut dormir maintenant. Voilà, on peut dormir, c'est nickel. Hop, je sais pas combien de temps ça filme. Je pense qu'on va peut-être... Non, on va pas encore s'en arrêter là parce que je crois que j'ai commencé l'épisode il y a 2 minutes. Je sais pas, je verrai. Au pire, de toute façon, je verrai au montage, hein, je veux dire, peut-être que ce sera sous forme de partie, je sais pas, on verra. Bon, on va dire que dans 5 minutes, on va s'en arrêter là. Au final, je suis toujours pas mort, ça c'est cool. J'espère que la série vous plaît toujours. Moi, ça fait 1h30 que je tourne, en tout. Hein. D'accord, le cheval qui s'est dit, non, je ne veux pas rester là. On remet le shader, c'est rapide, vous inquiétez pas. Parce qu'il y en a, il y a des personnes qui veulent pas que je mette les shaders parce que vous trouvez long le changement de shader. Ok, t'es là, d'accord. Allez, hop. J'ai pas une armure de non. Attendez, là-bas, coffre H. Il me semble qu'il y avait... bonjour les creepers. Qu'il y avait... comment ça s'appelle une armure de cheval, il me semble. Donc on va aller voir et pourquoi pas l'équiper. Ça peut être cool. Ça peut être cool. Bon, moi qui pensais mourir à l'épisode 7, je crois. Au final, bah là, on est à l'épisode 8 ou 9, je sais pas. Ou 10, peut-être, même. Bah, je ne suis toujours pas mort, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok, c'est loin. C'est loin! Il y avait rien à cette montagne? Non, il y avait rien. Hudada. Bon. Oh, les poulets. Oh, les moutons. D'accord. J'avais pas encore vu tout ça, moi. Bon. Je voudrais bien y aller à coup d'enderpearl, mais après, je vais perdre mon cheval, donc c'est pas non plus le but. Oh, un nouvel oasis. Il y a peut-être quelque chose aussi. En fait, il y a pas mal d'oasis hein, sur cette map. Hein. En regardant bien. Bah, on en a trouvé 3. C'est pas mal. Oh! Non. J'ai cru entendre des monstres. Non, ça devait être mon cheval qui a pété. Oui, bah, je sais pas. On va prendre l'armure. Et puis on s'en arrêtera là pour cet épisode. Et on verra ce qu'on fera pour le prochain. Donc dans 2 secondes, parce que vu que je tourne à la suite. Et c'est quoi cet endroit? Eh, on n'y était pas encore allé? On va y aller pour le prochain épisode, voilà. C'est dit, c'est fait, donc on va juste chercher l'armure. C'est là, parfois on retourne aux endroits où on était, et puis on remarque qu'on a oublié des trucs, c'est assez rigolo. Voilà, l'armure est là, c'est parfait. Bon, la hache, on s'en fout littéralement. Comme dirait je ne sais pas qui, on s'en contrebalance. Alors, l'armure, elle est là. J'ai pas de laisse, du coup, c'est un petit peu dommage. Du coup, tu vas te mettre là et puis tu vas attendre. Et si t'es sage, je te donnerai des pommes. Voilà. C'est dit, c'est fait. Oui, on va s'en arrêter là. Merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker. Et on se retrouve pour le prochain. Ciao, ciao tout le monde. C'était Mkolo. Et bien, bonjour à toutes et à tous. C'est Mkolo. On se retrouve pour un nouvel épisode de Desert Verbiity. J'enchaîne les épisodes. C'est un peu chelou. Et je crois qu'il n'y a rien. Ah, s'il y a quand même quelque chose. Donc on va dans cette mine comme c'était prévu. Boum. Ça descend et tiens, ça me fait penser à une zone, la toute première zone qu'on avait fait, je sais pas si vous vous en souvenez. Oh ! Ouais. J'approuve.
pas trop, voilà, hein, c'est pas trop mon kiff. Attendez, là je suis un petit peu en... Hop, mais putain, mais je te jure, je vais vous niquer. Désolé pour la vulgarité. Non, 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 mais je veux pas mourir, je veux pas mourir, je veux pas mourir. Oh, oh. Non. Non, mais crève pas, si je meurs comme ça, ça fait trop con. Non, 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 non. Oh là là. Oh là 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 là. Jamais creuser au-dessus de soi. Règle number one. Et je te jure. Là, c'est le dernier épisode, là. Il me touche une seule fois, et c'est la fin. J'ai plus de potion de régène. J'ai une fire résistance, en revanche, qui me sert à que dalle. Oh, putain. Non. 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 Non, mais non, mais putain. Mais... Oui, je fais genre que je peur, mais putain, au revoir. Quoi? On meurt pas? Ah, d'accord, on meurt pas, ok. Je pensais qu'on mourrait. Mais pourtant, on est en hardcore. D'accord, je pensais qu'on mourrait quand même. C'est cool. Mais en revanche, là, en effet, s'il me touche, je suis mort quand même. Parce que... Voilà. C'est la vie. Franchement, ces araignées... What? Mais comment ils font pour grimper? Attendez. Là, on va juste... Faire gaffe. Mange une patate, ça fait du bien. C'est bon pour la santé. Hop. Putain, c'est de la merde ces araignées. Ils peuvent passer dans un tout petit trou. Non! Je récupère ma torche. Attendez. C'est juste pas du jeu. Ils sont buggés en plus. C'est un peu galère cette zone. Pourquoi je creuse vers le bas? Faut creuser vers le haut, boulet. Et là, vous pouvez rien me faire, bande de connasses. En revanche, vous êtes beaucoup. Oh putain, ils peuvent grimper! Mais allez vous faire foutre! Il y a un coffre. Là, on va renforcer la sécurité, les gens. Moi, je veux juste le coffre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que des spawners. Je veux juste rien d'autre. Je veux le coffre. Si je clean pas la zone, tant pis. Bloc. C'est bon, j'ai 64 blocs. Ça passe tranquille. Ouais, là, ça passe crème. Il y a moyen de gérer. Sauf que les araignées sont même là. Faut juste pas qu'il y ait un squelette, si vous voyez ce que je veux dire. Là, on se fait un tunnel pour pas que ces enfoirés viennent. Waouh, quel poète. Je me suis pas entraîné. Attendez, là ils peuvent grimper là. Oh les bouffonnes. Là vous pouvez pas. Mais moi non plus du coup. Attendez, on va continuer. Ouh. Comme je l'ai dit, on va éviter toute forme de violence. Non, non, il me reste 4 coeurs. J'allais dire, au pire, je peux sauter, je prends le coffre et puis j'envoie une Ender Pearl. Mais avec 4 coeurs, si on calcule bien déjà, la chute va faire mal. Ils vont faire mal.
Le temps que je prenne tout, je serai déjà mort. Et puis de toute façon, je vais encore avoir plus mal quand je vais envoyer l'Ender Pearl. Et si je me fail, bah ce sera pire. Mais j'ai plus de bloc. Du coup, c'est très problématique. Y a pas d'autre mot, hein. C'est vraiment des salopes, hein, ces araignées. C'est pas comme si je parlais d'une personne, là, c'est vraiment des salopes. Je pense qu'on peut le dire. Putain! Non mais, non, meurs pas, tout va bien. Ne meurs pas. On vit dans le meilleur des mondes. Y a pas de raison de mourir. Il est où le coffre? Il est par là. Bon, au final, j'aurais usé ma pioche. Attendez, mesdames et messieurs. What? Non, c'est dégueulasse. Alors ça, c'est dégueulasse. Putain de merde. Ça, c'est dégueulasse. Alors ça, c'est dégueulasse, mon gars. Mais mon gars, quoi. Putain, c'est dégueulasse. Ils sont venus de nulle part, putain. Oh, je suis deg. Ça doit faire 1h30, 2h que je tourne. Et putain de merde. Je sais pas combien de tième épisode on est, mais en tout cas, on arrête là pour cet épisode. C'est la fin de cette série, d'ailleurs. Je suis deg. 2276 points. Mais putain, mais je suis deg. Ces araignées, ils sont venus de nulle part. On est bien d'accord quand même. Je regarderai un replay, mais j'ai tout bloqué. Et bon, écoutez, hein, on va pas en faire tout un plat. Merci d'avoir regardé cette série jusqu'au bout. Pour ceux qui l'auront suivi jusqu'au bout, merci de l'avoir apprécié, merci de l'avoir liké. Et puis, ah d'accord, ils peuvent venir par là, d'accord. Mais ça, c'est dégueulasse quand même. Ça, c'était dégueulasse. Cette série sera remplacée. Par une série enfin j'ai fait une vidéo présentation de la map CTM CTM Easy Revival, une map que j'ai créée, et donc je ferai une série dessus sur ma propre map si ça vous tente, et donc ce sera remplacé par ça. En tout cas, je suis deg. D'accord, ils peuvent venir par là, ok, je suis deg, voilà. Mettez en commentaire vive les araignées bleues. Et puis sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos. En tout cas, Desert Durability, c'est fini. C'est fini, les amis. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Allez, bah ciao tout le monde, c'était Mkolo.